Jude Bellingham, le nouveau roi du Real de Madrid, le nouveau roi du Santiago Bernabéu, le nouveau roi de l'Espagne. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Jude Bellingham. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Jude Bellingham, mes amis, Jude Bellingham, c'est un mec. Franchement, qui fait du bien au Real de Madrid. Premier match, il a marqué. Deuxième match, il a marqué. Franchement, et à chaque match, ils sont MVP. Ils sont MVP, l'homme du match. Et c'est un mec qui est arrivé au Real de Madrid en provenance du Borussia Dortmund pour environ 100 millions d'euros. Pour moi, lorsque tu dépenses 100 millions d'euros pour un joueur de cet âge, et surtout de ce talent, et surtout, je répète, de ce talent, tu ne regrettes pas ton argent. Ce joueur a un talent immense, immense. C'est un joueur qui est puissant, c'est un joueur qui est technique, c'est un joueur qui a une bonne vision du jeu, c'est un joueur qui marque des buts. Il est incroyable ce mec. Je pense que la seule petite chose qui manque au Real, c'est un neuf. Si le Real recrute un neuf, les amis, le Real sera très difficile à battre, croyez-moi. Parce que défensivement, certes, ils ont perdu Courtois, mais ils ont Kepa. Et ils peuvent compenser ça avec Kepa. Le milieu est bon. Il faut juste un avant-centre de qualité. Si le Real a un avant-centre de qualité, ils seront quasi injouables. Ils seront quasi injouables. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Jude Bellingham va s'imposer au Real sur le long terme? Ou alors tu penses tout simplement que c'est un feu de paille? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Nous on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.